Alors, c'est la première question. Je vois quel sentiment après avoir déposé mon dossier de candidature à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Qui parle au peuple? Pas de questions. C'est vous. Très heureux aujourd'hui d'être présent au siège de la Fédération Ivoirienne de Football avec mon équipe. Après de longs mois de travail acharné, pour déposer ma candidature, mon dossier de candidature pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. J'ai suivi avec une vive attention, un vif intérêt, tous les débats, tout ce qui se disait, les intrigues, les critiques, mais j'ai aussi apprécié le soutien et les encouragements. Je tiens à remercier tous les acteurs du football ivoirien. Je tiens spécialement à rendre hommage à mes équipes. Je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui ont eu le courage de m'accorder leur soutien à visage découvert malgré les difficultés, malgré les menaces. Voilà. Le football est le sport de tout le monde. Le football rassemble, le football fédère. On le voit aujourd'hui avec cette population qui est rassemblée devant le siège de la Fédération Ivoirienne de Football. Ce n'est pas tant être président de la FIFA qui m'intéresse, mais c'est la mission qui lie cette posture, cette mission qui accompagne cette posture de président de la Fédération Ivoirienne de Football. Notre football, ce n'est pas un secret, notre football va mal. Et ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi, avec mon équipe, nous engageons pour contribuer à la renaissance du football ivoirien. Mais cette renaissance ne peut pas se faire avec un seul homme. Loin de là, ce n'est pas sa prétention. Avec mon équipe, avec les différents acteurs qui font la richesse de cette fédération, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, les présidents des clubs, et j'en oublie encore, ce sont eux qui font la richesse de notre football. Ce sont eux qui doivent être en avant, et non ma personne. Si mon objectif n'était pas poussé par une profonde volonté de redonner
au football ivoirien. Tout ce qu'il m'a donné. Si mon objectif n'était pas pousser une volonté profonde de contribuer au développement du football de mon pays, si Dieu par ses profondes volontés, alors il y a bien longtemps que je serais venu gérer. Comme chacun le souhaite. Monsieur le candidat, il faut nous donner un point de vue. Laissez le palais haut. Malgré ça, je préfère revenir ici en Côte d'Ivoire. Ma carrière en tant que joueur est terminée. Et je suis là, de retour dans mon pays, après une longue carrière qui m'a permis de contribuer au rayonnement, à la notoriété de la Côte d'Ivoire. Je me trouve et déterminé à contribuer à apporter ma pierre à l'édifice du renouveau du développement du football en Côte d'Ivoire. C'est ensemble qu'on va y arriver. Je suis là pour mettre au service de notre football. Merci. Merci, Pépère.